Alors, le marketing du bouche à oreille, ça marche comment? On va ici revoir une vidéo très importante parce qu'elle explique les principes fondamentaux du marketing du bouche à oreille. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le marketing du bouche à oreille? Bah, c'est le bouche à oreille, c'est quoi? Ce sont des conversations qui interviennent entre les marques et les consommateurs, ou les clients, hein, parce que si c'est du B2B, ce sont des clients, ou les consommateurs ou les clients entre eux. Très important. Là, on arrive aussi à une notion de communauté, on y reviendra, et de marketing communautaire. Et puis, dans cette vidéo, il y a une chose qui est très importante, ce sont les cinq valeurs. Là, les cinq valeurs sont l'authenticité, le respect, et donc par respect, il faut comprendre le respect de la loi et de l'éthique, c'est-à-dire que, notamment pour les influenceurs, eh bien, quand vous écrivez pour un client, vous devez dire que vous écrivez pour un client. Allez voir sur mon blog, sur le site digimarketing.com, vous verrez des articles qui sont écrits au nom de clients ou dans le cadre de missions qui sont faites avec des clients, et c'est indiqué très clairement avec une clause de transparence. Je suis machin, je travaille pour Bidule, et voilà ce qu'on a fait. En général, je rajoute quelque chose en disant, et nous avons travaillé avec le même sérieux que d'habitude et sans influence. Parce que on peut être influenceur, mais pas être influencé. Et ça, c'est très important, surtout en B2B, parce que c'est ce qui va permettre de conserver sa crédibilité. Donc, l'authenticité et le respect. La sociabilité, c'est pour ça que j'insiste tant sur le fait qu'on aille vérifier si les marques répondent aux commentaires, parce que si on ne répond pas aux commentaires, ben c'est pas la peine. C'est pas la peine d'en faire. La mesurabilité, le fait qu'on soit capable de voir ce qu'on fait et mesurer, pas seulement s'agiter sans en réfléchir, et la répétabilité. Et là, on rejoint ce que j'ai déjà expliqué avec les explications de les définitions de géopolitique, c'est la durée dans le temps. Il faut être capable de durer dans le temps et de répéter son travail. Sinon, bah, c'est juste une campagne. D'ailleurs, c'est un terme qu'on bannit. Et on ne parlera pas de campagne ou de ciblage ou des choses comme ça. On ne cible pas, on travaille sur des audiences, on travaille sur de l'affinité. Je vais revenir dans une seconde sur cette notion de communauté, elle est très importante. Measurable word of mouth is the ability to define, monitor, and evaluate a program's success. Repeatable word of mouth is the ability to do it over and over again in order for a business to become a truly talkable brand. The reality is, not every brand becomes talkable. However, through WOMA's ongoing education and its growing community of visionary marketers, you can learn what's working today and what will work tomorrow to make your brand a talkable brand.